Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte du jeu Mario Golf Super Rush, qui est plutôt complet. Après, il y a des menus qui sont un petit peu sobres, on va dire ça pour être gentil. Et on va tenter l'aventure golfique. Donc, voilà. Mathéo. Oui. C'est un de mes neveux qui a dû faire un mi, je ne savais même pas. Donc ça, c'est vraiment cool qu'ils aient mis, qu'ils aient pris la peine de faire un mode aventure, en fait. Ça, c'est cool. Ça, j'adore. Je sais pas si c'est long. Bon, je vais rechercher. C'est une présentation. La princesse qui s'est fait enlever encore, c'est quoi le délire? Ok, et là, il fallait pas éteindre. On voulait encore regarder. Bordeaux. Oh pardon, j'ai cru que le match était terminé. Ouais, Mario venait de gagner avec un coup tellement fou que je suis pas sûr d'avoir bien tout compris. Je voulais voir la scène repasser au ralenti pour analyser l'action. Ne fais pas la tête, Bill. La cérémonie de demain est bien plus importante que de regarder la télé. Oh, Bordeaux a raison. On devrait bien se reposer cette nuit. Je sens qu'il va falloir être en forme demain. Oh, merci, beau. Ça fait plaisir de constater qu'il y a quelqu'un de raisonnable ici. Je dormirai quand je serai fatigué. Et puis ça dort. Un fantôme. Tu as réussi à ne pas passer à travers le lit. Enfin, Bill, on ne peut pas ce genre de questions, voyons. Bon, moi, je vais dormir. Je veux faire bonne impression à la cérémonie d'accueil de demain. Très bonne idée. Toilette. Quant aux autres, vous feriez bien de suivre son exemple, si vous ne voulez pas être des cancres. Bah moi, mon point fort, c'est l'overdrive. Sur les links, elle pourra toujours courir pour me rattraper, Toilette. Pff, la force brute ne suffit pas à gagner, il faut savoir aussi se maîtriser et ne pas avoir peur de jouer un petit lay-up. J'y connais rien en langage de golf, hein, faut le savoir. Donc je suis totalement le novice là-dedans, donc lay-up, je sais pas ce que c'est. Bouhou, vous avez tous les deux tort, le maître mot du jeu, c'est la finesse. Ah te voilà, on n'attendait plus que toi, approche. Cher golfeur, je vous présente le dernier membre de votre groupe, donc Mathéo du coup. Quoi, encore quelqu'un? Tu as entendu tout ce qu'on a dit? Pardon, je voulais dire ravi de faire ta connaissance. Oui, la fédération de golf m'avait prévenu qu'une autre personne arriverait un peu en retard. Bah en plus, on est de fou. Plus, au fait, comment ton swing? C'est quoi ton meilleur drive? On sort se mesurer sur le green. Allons, allons, vous allez vous entraîner ensemble. Alors faisons les présentations, d'accord? Yo, Bulldozer, je frappe fort, bam, peu importe où va la balle, tant qu'elle va loin. Moi, c'est Toilette. Je suis ravi de rencontrer un nouvel adepte du golf. On va pouvoir s'épauler. Je suis Bou. Oui, Bou. Et je boue d'impatience de démarrer l'entraînement. Ouais, je vais aller faire un peu de muscu parce que vous êtes, pour être le roi du green, il faut des muscles de platine, tout à fait. Et moi, je vais me coucher pour des muscles en pleine forme. Il faut bien se reposer. Ah, les basses considérations musculaires des êtres de chair et d'os. Eh bien, ça nous fait une drôle d'équipe, tout ça. Mais je m'égare. Tu dois être épuisé. Tu peux aller dans ta chambre et te reposer si tu veux. Pardon, je ne me suis même pas présenté. Je suis Birdo et je m'occupe de tout ce petit monde. Comme une maman. Attends, j'ai fait quoi? Je suis sur un... J'étais en train de chercher la durée de vie. Alors ta chambre est tout au bout du couloir. Demain aura lieu la cérémonie d'accueil des novices. Repousse-toi bien, ok. C'est quand je vous disais que les sommaires sont sommaires. Enfin, les menus sont sommaires. Vous avez vu cette écriture, je sais pas, ils auraient pu essayer de trouver un truc un peu plus quali que ces écritures noires sur fond blanc. Je trouve que c'est un peu cheap, quoi.
On va dormir. Comme ça, on se réveillera le lendemain. Ouais, je voulais ça. Allez retrouver le directeur au club devant. Clubhouse. C'est vraiment cool qu'ils aient fait un mode. Faut aller voir là. Non, c'est la chambre de toilette, on va se calmer. Ça fait vraiment genre. Tu as bien dormi, j'espère que tu es en pleine forme. Attends, mieux, tu sembles avoir besoin de repos, alors je t'ai pas arrivé. Tu vas être en retard pour la cérémonie d'accueil, sors vite et suis la route. Allez, dépêche-toi. Ça fait vraiment Pokémon là. Il va me donner un Pokédex. On a vraiment l'impression qu'on vient de se réveiller. Tu sais, t'as ta mère qui t'accueille, t'as un copain qui va arriver avec qui tu vas te mesurer. Ça fait vraiment Pokémon en fait. Et c'est appréciable. Mais franchement, j'apprécie qu'ils aient fait ça. Par contre, je sais pas où aller. Est-ce que ça vaut le coup, vous pensez? D'accord. Ok. Celui-là, c'est le seul. Escarotte, c'est le seul que j'ai fait bah, quand j'ai continué la vidéo. En fait, j'ai fini le truc. Ouais, c'est moi. Oh, les jeunes recrues, la cérémonie des câbles va commencer alors tous en ligne et que ça saute. Eh bien, monsieur le moniteur, on dirait que tout le monde est là à présent. Bienvenue, chère nouvelle recrue. On devrait dire, cher Rocky. J'imagine que vous connaissez tous la glorieuse histoire de notre club. Vous ignorez donc pas que le golf d'Erascott est le berceau qui a vu éclore d'innombrables golfeurs légendaires. Ouais. Et j'espère que vous réalisez votre chance. Vous aussi allez pouvoir ajouter votre à votre chapitre la légende du vénérable golf d'Erascott. Je me présente, je suis le directeur de ce club et je suis ravi d'accueillir notre nouvelle classe de débutants. Vous venez de faire connaissance avec notre monteur en chef. Je pense pouvoir affirmer que c'est un formateur exceptionnel. Sachez qu'il a déjà lancé la carrière de nombreux pros. Merci patron. Bien. Si vous êtes ici, c'est que vous avez du potentiel, un avenir dans le golf. Mais ça ne sera pas facile. Je vous aiderai à développer votre talent, certes, mais il va falloir travailler dur, très dur. Bien, je vais maintenant vous distribuer ceci. Votre montre connectée. C'est mon Pokédex. Elle consigne vos activités, vos scores et propose plein d'autres fonctions. Venez récupérer la vôtre à l'appel de votre nom. Bulldozer. Yo. Il paraît que c'est frapper fort. Voyons si tu peux aussi apprendre à frapper bien. Frapper bien, pourquoi? Ça me fera frapper encore plus fort. Toilette. Présente. Ça, c'est la pétasse du groupe. Hein. Elle a l'air faillote, celle-là. Il paraît que tu es futé. Comme pour les échecs au golf, il faut de la tactique. Alors, j'ai hâte de voir de quoi t'es capable, gamine. Je vais faire de mon mieux, monsieur le moniteur. C'est vraiment une faillote, elle. Hein. Bouffe. Ouh, ouh. Il paraît que tu as un talent surnaturel pour les frappes bien contrôlées. Voilà qui peut pallier un manque de puissance. Un manque de puissance? Je vais vous montrer ce qu'est la puissance, moi. C'est la puissance. Oh, la puissance physique. Là, oui, d'accord. Ouh, ouh, ouh. Et moi? Et enfin, Marté. Il paraît que tu es un véritable prodige, mais un prodige en herbe. Un peu comme le Green. Super Green! Bien, les présentations sont faites. Enfilez tous votre montre au poignet, vous en aurez toujours besoin. Donc, on a activé la montre. La montre collectée contient déjà vos données, c'est magique. Appuyez juste sur On pour réaffecter vos fonctions. L'écran qui affiche le démarrage est assez simple. Il comporte, pour l'essentiel, un aperçu de votre profil et de vos aptitudes. Ces merveilles sont ultra sophistiquées. Il vous faudra donc un peu de temps pour en découvrir toutes les fonctions. Il faut à présent que je vous explique le principe des badges. Celui que vous avez a un aspect tout simple parce que vous n'avez encore que le badge de golfeur le plus basique, le badge acier. Lorsque vous obtiendrez le badge platine, vous serez au sommet de la pyramide, le vrai pro. Et pour améliorer votre badge, vous devrez participer à des tournois. Votre monde connecté se mettra alors à jour automatiquement. D'accord. Merci pour cette présentation. Je vais maintenant vous présenter un autre membre important de notre équipe de formation. C'est un peu du RPG, hein. Il y a des capacités et tout qu'on va gagner. Bonjour tout le monde, je suis Toad.
et j'attendais ce moment depuis longtemps. Le golf a plus de succès que jamais au Royaume Champignon. Le tournoi d'hier était pas lui. Et pour perpétuer ce sport, nous avons besoin de talents en gazon. Pardon, je veux dire en arbre. Pas seulement de nouveaux pratiquants, mais aussi de nouvelles têtes de classement. Et c'est là que vous entrez en jeu. Et si on vous a sélectionné, c'est parce que vous avez du talent. Alors qui sera la prochaine star? Au fur et à mesure de vos progrès, les résultats de vos parties de golf sont automatiquement transmis et comptabilisés par votre montre. Vous devrez vous entraîner sans relâche pour perfectionner vos compétences. Écoutez bien les conseils de votre moniteur. Mais si on se donne les moyens, rien n'est impossible. Peut-être que la prochaine légende de ce club, ce sera vous. Voilà qui conclut notre cérémonie d'accueil. Je vous dis à bientôt sur les parcours. Ok. Oh, Matteo. Le Calimaster voudrait te voir avant que tu n'ailles aux pratiques pour l'entraînement. D'accord. Suis le chemin sur la gauche, tu ne regretteras pas. Je ne t'en dirai pas plus, je ne veux pas gâcher la surprise. Fais vite qu'on puisse passer à autre chose sérieuse. Chemin de gauche. Oh shit, il y a une carte et tout. C'est le Calimaster? Tu es bien Mathéo, je ne filme ma bulle, je t'attendais. Salut quoi. Moi, je te rassure, c'est pas pour te gronder. Hein. Je voulais juste que tu viennes chercher ton barda. Tu es là pour ça, n'est-ce pas? C'était un oui. Ou juste un bafouillage confus. Tu n'as aucune idée de quoi je parle, pas vrai? Je t'ai fait venir pour te mettre ton premier jeu de club. Maintenant, il va me le remettre. Il va pas me le mettre. Hein. Ils ont déjà été ajustés spécialement pour toi. Ça t'impressionne pas? Ça. Ok. Alors quand tu joues ici, tu dois courir après ta balle sur tes petites jambes. Désolé, tu n'as pas le droit aux voiturettes. Pas facile de travailler tous ces clubs à la fois, tu dis, bah t'en fais pas. On te demandera pas non plus d'apporter 14 clubs avec toi. Là, je t'en ai sélectionné 7, ce qui fait un demi-jeu de club. Tu peux emporter l'avantage si tu veux. Mais tu seras moins rapide. Bien, suffisamment. Jacassé, ce sac de golf est pour toi, tu peux tout de suite le mettre sur ton dos. D'accord. On vient de recevoir un truc. Avec juste un demi-jeu dans ton sac, il faudra bien choisir tes clubs selon son style de jeu. Mais pour débuter, cette sélection devrait te convenir. Il te suffit de venir ici et de t'adresser à moi si tu veux modifier ton choix de club. D'accord. Je terminerai en te demandant de prendre le plus grand soin de ces clubs, c'est entendu? Je crois que tout est dit. Te voilà désormais officiellement un rookie. Va donc inaugurer tes clubs sur le practice. Okidoki. On va pouvoir taper dans la balle et je pense qu'on va. Ils vont nous expliquer comment ça marche. Ah, faut que j'aille voir ce gars ou quoi? Ok. Pas du tout. Alors gamin, tu viens pour que je t'apprenne à manier le driver, comme les pros. Veux-tu avoir des explications sur les commandes de base avant de commencer cette leçon? Allez, on est là pour apprendre. Alors tu utilises L pour définir la direction dans laquelle il faut frapper, d'accord? Ça on est d'accord. Appuie sur X donc pour afficher en vue aérienne, donc ça on connaît. Donc après son trajet en vol, le carry, la zone claire, son trajet au sol en roulant. D'accord. La distance totale d'un coup se mesure en additionnant le carry et la course, la puissance du coup, la vitesse et la direction du vent. Le dénivelé ainsi que le terrain où la balle va atterrir influence sur la distance. D'accord. Active la jauge de puissance avec donc le A, puis appuyez de nouveau sur A pour définir la puissance que vous pouvez donner. Donc ça on l'a fait dans la vidéo précédente. Commençons par un exercice simple avec ton driver. Tu vas devoir envoyer ta balle dans la cible placée là-bas sur le fairway. Pour la leçon réussie, tu dois marquer au moins 60 points total, cumulés sur plusieurs exercices. Pour ce premier exercice, l'objectif sera de frapper un coup de départ qui permette, sans trop de difficulté, de réaliser le par sur ce trou. La cible est placée à un endroit idéal où arrêter la balle sur le fairway pour bien se placer pour le coup suivant. C'est tous ces langages que je ne connais pas. Du
précisément, il faudra tenter de faire ça à quitte à balle sur le secteur bleu foncé de la cible pour marquer un maximum de points. D'accord. Bien entendu, l'endroit idéal à viser pour ton drive va varier selon divers facteurs tels que le vent ou le lead de ta balle par exemple. Pour cet exercice, c'est la zone bleue qu'il faut viser. Tu as 5 balles, mais t'inquiète pas pour les 60 points, il y a un second exercice après. D'accord. Donc là, typiquement... Pas que je tape trop fort, si je comprends. J'ai essayé... J'étais perturbé par... Un SMS, désolé. Ça c'est n'importe quoi, j'ai tiré beaucoup trop fort. Ouais. Donc faut que je m'arrête avant. Toujours la même chose. De moins en moins fort, je prends peut-être des risques là. Toujours le même coup en fait. Ça va. Ah, nous jouerons encore 5 drives, mais en visant cette fois-ci un birdie sur le trou avec un jeu plus agressif. Et attends! Mais non! Mais non, mais j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas du tout checké la zone. Bon, déjà, on sait qu'il faut tirer un peu plus fort. Mais... Il est pas assez... Il est pas assez puissant mon frère, j'arrive pas à en changer. Ah, c'est dedans. Ah. Bon. Ok. Ça va. Attends, on a explosé le score en vrai. Ok. Joli. Ah. Ah, on peut monter en puissance, c'est ça? Ouais. On monte en puissance. Donc le carry, ouais, d'accord, j'arrête pas de dire oui, on avait compris. On avait compris. Ok. Du coup, je fais quoi? Je veux voir ce gars là? Ok.
un petit défi de précision. Vas-y. En fait, j'aurais dû commencer par là parce que ça nous apprend à jouer. 10 balles pour obtenir un score de 80. Ouf, t'as fait comme un bourrin, quoi. Pas mal. Ah, faut peut-être être moins fort, en fait. Parce que là, elle va rouler. Ok, je vais pas prendre de risque, je vais taper un peu moins fort. Quoique là... Ok, nickel. Encore un peu moins fort. Finir par être pas assez fort du tout. Et ouais. Ok, c'est pas mal. On peut faire avance rapide. Hein. Ah, faut vous ruiner là. Ah, trop court. Ah, ça se complique là. Je visais par là. Ça va être chaud en vrai. J'ai pas mieux. Hein. C'est chaud en vrai. Là je peux aller avec un 8 là. J'ai pas assez de patates. Si je fais 8 c'est bon. J'ai mes 80. C'est chaud là par contre. Ça le fait, ça le fait. On a nos 80. Ah, il nous reste un coup. Oh bon, on était large en fait. On a paniqué pour rien. Par contre, ça, je sais pas comment on peut avoir le 10 quoi. Voilà. Joli. Il nous faut de la patate. Hein. On monte en puissance. Il hein. Faut qu'on monte en puissance, parce que là on manque vraiment de patate. Hein. Ok, donc là je vais aller par là. La vue est chelou. Ah! Ah, je pense que ça va être le green. Appuie sur Y. Pour effectuer un demi-swing dont la portée sera réduite de moitié. D'accord. 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 Donc, ok. 70%. D'accord. D'accord. Alors, 70%. Il a dit 70%.
Ah, c'est chaud. 70%. Là. Et c'est pas mal. Ah. C'est un peu moins fort là. Ok. Ok. Joli. Ah. Ok. J'étais à fond dans là. Alors, le gain est à 9 mètres et 3,18. Il vient de monter. De 27 mètres. À prendre en compte. Il va frapper un peu plus fort là-bas pour lui donner un petit carré. D'accord, on voit que ça monte. Avant le drapeau pour simplifier le. Les codes sont plus simples. Donc un peu plus fort, ça veut dire quoi? Là. Ah ouais, c'est beaucoup trop fort. Putain. Ah, c'est nul. C'est un peu mieux. Mais c'est encore fort. Oh putain. Pire moins fort. Hein. Ah, il m'a dit de taper plus fort. Hein. Je tape pas vraiment plus fort en fait. Ouais, c'est pas. Non, ça passe. Encore trop fort. Joli. Si ça lui va, ok. Vers les stages, je n'ai jamais tous les risques que tu as pris sur les coups proches. Je suis en descente. Ça veut dire que. Ouais, alors on va faire un petit peu moins fort. Parfait ça. Sauf que je me base plus ou moins comme il disparaît au dernier moment, on arrive à voir ce qui s'en va, donc ça facilite un petit peu les choses quand même. Okay. 17h48. Si vous en foutez, c'est l'heure qu'il est. Je prends de la puissance. Belle maîtrise. Bah sympa. Donc nous on va s'arrêter là parce que ça fait quand même une demi-heure qu'on est là. Alors je sais pas si je peux sauvegarder. Si je fais le menu principal. Bon je pense qu'il a sauvegardé. Bah j'espère que vous avez kiffé découvrir ce mode aventure. C'est vraiment cool qu'ils en aient fait un. Pourquoi pas continuer. Voilà, si j'ai des avis qui me disent bah ouais continue cette aventure, on continuera. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à cliquer sur le bouton rejoindre si vous souvenez la chaîne aura des vidéos en avance et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez salut tout le monde.